Bon, monsieur Saint-Brie, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des frères de Gonzague. Tout à fait. Bon, cette Forêt des Livres, édition hommage à Gonzague. Oui. Qu'en pensez-vous ? Bien, écoutez, c'est merveilleux que tous les bénévoles et tous les gens qui ont organisé la Forêt des Livres ont su le faire vivre une fois de plus. Dans l'esprit de Gonzague, je suis sûr que Gonzague aurait été très très heureux de voir qu'on a continué son œuvre, qui était quand même l'œuvre de sa vie. C'était l'aboutissement d'un an, d'une vie de travail pour arriver à cette chose-là, qu'il a fait avec en Touraine, dans ce lieu qui était très important pour lui, les arbres, les livres, avec tous ces gens de Touraine qui l'ont aidé, sans quoi il n'aurait jamais pu le faire, ces 200 bénévoles. Je pense que ça a été un très bel hommage et une réussite encore une fois de plus. Justement, un événement à perpétuer, justement. On l'espère, hein, et on l'espère. C'est peut-être trop tôt aujourd'hui, vu les circonstances. Aujourd'hui, il est difficile d'en parler, mais un jour, on verra. Justement, le décrire Gonzague, c'était un personnage, hein, vraiment un personnage charismatique. Oui, c'est difficile de le décrire en un mot, mais... C'était certainement un personnage extrêmement chaleureux, extrêmement enthousiaste, qui adorait la culture, la vie, mais surtout les gens sous toutes leurs formes, quels qu'ils soient, qui étaient liés avec toutes sortes de gens extrêmement différents, très fidèles en amitié, quelqu'un qui aimait la vie et les gens, beaucoup, beaucoup, et qui aimait pousser les gens à faire le meilleur d'eux-mêmes, qui aimait les féliciter, les encourager. Voilà, quelqu'un d'extrêmement attachant, ça c'est sûr. Oui, et puis passionnant. Ah oui. Bah, il avait vu beaucoup de choses, il avait étudié beaucoup de choses, il avait écrit beaucoup de choses, il avait rencontré énormément de gens dans le monde entier. Alors, voilà. Merci beaucoup. Mais non, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Alors, je vous remercie encore surtout, comme vous, les journalistes, les écrivains, les bénévoles qui ont permis cette chose d'exister. Hein. Il n'a pas fait ça tout seul, il a fait vraiment avec vous tous. Et vous êtes certainement très reconnaissant d'être là aujourd'hui.